Nicolas Jardin, je suis ici avec une patiente qui a fait un ACV. On la suit, ça fait déjà 3 fois en posturologie. J'ai un petit embêtement au niveau de ses ischio-jambiers à droite, il n'active pas en fait. Elle est obligée de toujours tirer avec son dos, son fessier, mais l'ischio en soi, ça marche pas. Fait que là, je voulais essayer de faire une petite technique de réactivation musculaire. Pousse, ramène le talon vers la fesse. Là, elle lève les fesses, c'est ce qui se passe, elle lève les hanches à la place. Pousse, amène le talon vers la fesse. Et ça ne fonctionne pas, il n'y a aucune force dedans. On va le faire avec l'autre jambe ici. Amène le talon vers la fesse. C'est très fort, tout va bien. Ok, parfait, tu peux te lâcher. Je fais un petit test. Ok. Ramène le talon vers la fesse ici. Ramène le talon vers la fesse. C'est un petit peu plus fort, c'est assez, tu Un fais? petit peu plus Ouais. fort, oui. Ramène vers la fesse. Ramène ici. Ça commence à être pas se payer. Tu gardes Ok. tes fesses, oui. Ouais, c'est pas se payer. Ok, ramène vers la fesse. Ici, pose en main. Ça commence à être intéressant. Eh mon Dieu, tu travailles à faire ici? Une technique qu'on préfère, ce serait de réactiver, voir son tendon de Golgi. Ou vérifier le fuseau neuromusculaire. Voir s'il y a une atteinte là, il faut le reprogrammer. Force fort. Ah, comment c'est mieux ça, hein? Oui. Super. On va chacun une autre portion aussi. C'est ce que je veux vérifier, c'est la contractilité du muscle. Est-il capable de réagir ou il est complètement morosé? Intéressant. C'est arrivé ici. Fort. Yes! C'est bon, ça va? Oui. Excellent. Fait que tu vois, le muscle, il n'est pas complètement idiot. Fait qu'on va juste réintégrer ça. Là, je vais donner mes autres exercices, puis on va voir ben, tranquillement son cerveau. Il y a du patron moteur à faire parce que l'ischio était complètement désactivé. Fait que, on va voir comment ça va se passer suite à cela. Merci.